Bonjour à tous et à tous, ici Oxydor, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur The Never Ending Game 2. J'avais dit que j'allais faire les autres maps. Nous voilà. Ils nous ont droppé une map. Et qu'est-ce que ça va nous dire? Attention, bienvenue dans cette aventure The Never Ending Game, partie 2. Nous avons des flammes sur les côtés. C'est facile. Effectivement. Première épreuve très très facile. Rien de très compliqué. Est-ce que je suis bien en peaceful? Oui, c'est sans souci. Basic rule. Les règles basiques. Compte ton score à la fin avec les diamants, les iron comme d'habitude. Ouais. Spécial extra bonus room. À la fin. À la fin, il y a une porte qui est une porte qui te mène à une salle bonus. Elle va s'ouvrir et si tu ouvres les si tu ouvres les 5 leviers cachés dans cette map. Ah. Ne casse pas les blocs autres que la clé. Tu peux utiliser n'importe quel bloc trouvé dans les chests. Et ça, ça nous mène à enfin, cette fois-ci. Ah, saloperie. Moi qui pensais déjà trouver quelque chose, j'ai oublié de lancer mon chronomètre. Voilà, lancer le chronomètre. As-tu lu les règles? Oui. Oxidors, never jump. Commençons directement avec les jumps. Et la clé. Je viens de remarquer un truc, c'est que je suis sans mon pack de texture. Mettons notre pack de texture habituel pour retrouver la clé. Hop, c'est celui-ci. Là, je pense à retourner un petit peu sur Isolios. Donc voilà. On récupère déjà un petit peu, hein, pourquoi ne pas récupérer. J'ai jamais dit que le sprinter pour courir n'était pas autorisé. Même pas besoin de sprinter pour sauter. Le bon. Quel sera le bon levier? Ah, ça c'est de la redstone. Et comme j'ai appris un petit peu de la redstone depuis, je sais qu'il faut que j'active celui-là et que je désactive celui-là. Ok, ou alors que je désactive simplement les deux torches parce que ça va être un endroit qui va les envoyer. Et que je désactive tout et voilà. Et parce qu'il y avait là, c'était un, comment dire, un qui inverse les deux trucs, voilà. Je sais plus comme ça. Tu peux jeter tes maps si tu le veux, ok. Yay. Alors, le CD. Oh mon dieu. Le magasin. Bienvenue au magasin. Nous vendons des graines à 50$. Ah ouais, mais moi je vais venir voler dans la caisse. Voilà, je vole dans la caisse. Quand je regarde, voilà, c'est bien ce que je pensais. Voilà, les sons qui étaient 3 fois trop forts. Par contre, je crois que ça ne s'est pas désactivé. À moins que... Ah. Ok. Voilà. Je déteste cette musique. Elle est horrible. Dion Pumpkin, 50$, 10 pumpkins à 20$ et 10 pumpkins à 20$. Quelle arnaque. Oh mon dieu. Rappelle-toi, ne casse aucun bloc. On a dit casser, mais on n'a pas interdit de brûler. Donc je suppose qu'on va devoir le brûler. Ah ah. Mm-hmm. Je suppose qu'on va devoir brûler tout ce ça. Tout ce ça, oui, tout ce ça est très français. Bonus room, levier 1. Yay, on a trouvé le premier levier, super. Nous avons le premier levier pour le bonus room. Par contre, apparemment, cette fois-ci, il n'y a pas de checkpoint. Donc, si on meurt, on recommence tout au début. Oh mon dieu. Je suis en train de regarder parce que je me dis, si après ça nous troll et qu'en fait, c'est au-dessus. Personne n'a dit comme ça, comme quoi brûler n'était pas autorisé. Je l'avais dit, hein. Je l'avais dit. Mais il faut déjà peut-être trouver... Il faut peut-être déjà trouver le truc. Le flint et notre steel. Ok, on a le flint et le steel. Tac et tac. Chaque fois, je me confonds avec les deux. Hein. Voilà, nous avons notre flint and steel et on peut tout brûler. On peut tout brûler. Youpi. Mais sauf que j'ai brûlé que ça parce que, voilà, restons dans les règles de l'art. Voilà. Brûle, brûle, vas-y donc, brûle. Je ne sais pas quand je t'encule. Eh, ok. On a pas l'air de vouloir brûler, hein, cette laine là. Elle est méchante. Allez, brûle. Je sais, les flammes ne sont pas animées. C'est normal. C'est moi qui ai choisi de pas les animer. On va essayer de la brûler en faisant ça, hein. Ça brûlera peut-être plus rapidement. Voilà, ça a brûlé.
Alléluia. Jette le flint and steel. Voilà. On n'avait pas le choix. Niveau 4, rappelle-toi. Fais attention à tout. Rappelle-toi de tout. Fais attention à tout. Donc là... attends, il y a... Donc, ça, il y a 1, 2, 3 tableaux. Il y a deux trucs de barrière, il y a un champignon, ok. Soulève toujours un levier pour chaque question. How many painting? Combien de peintures as-tu vu? 3. Si tu as eu toutes les bonnes réponses, une porte secrète s'ouvrira. How many, combien de champignons? Un seul. Combien de... Die Grace? Merde, je vais faire 8 tours. Je crois qu'il y en avait 3. On verra. Aha! Ta réponse est ici. Redstone torch on. Good. Room, salle secrète. Yay! Levier 2. Aha! Prochain level. Le niveau 5, la clay. Pas de soucis. Labyrinthique. Voyons. Ça aurait été trop simple de pas avoir de labyrinthe dans ce jeu. Il y aura toujours un labyrinthe, oui. Certes. Hop. La levier, tac 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 tac, 4 iron. Hein. YOLO. Salut. Salut. Je suis passé. Je ne sais même pas d'où je reviens, d'où je viens. Apparemment je viens de là. Ok. Donc il faut deux leviers. J'en ai qu'un. Voilà. Passe le levier, donc il faut que je trouve le deuxième levier. Super. Deuxième levier qui doit être caché quelque part aussi. Bah ici je crois. Parce qu'apparemment ça aura pas été trop dur à le trouver au moins. Tac 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 tac. Voilà. Oh, j'ai pas récupéré l'iron là. Mais je l'ai toujours pas récupéré. Ok, ma touche qui avait un souci. Mais j'ai un souci. Soit c'est un souci avec ma touche, soit je les avais et en fait il y en avait. Ah mon dieu. Ça voudrait dire qu'il y en a eu un de moins. Ou alors que j'en ai paumé un, je sais pas. C'est bizarre. C'est étrange. Hop, voilà, les deux leviers sont placés. Là il y a de la clay. Non mais ils ont cru que j'allais pas avoir ça. Bonus room level 3. Yay. Il y a 5 leviers. Level 6. Secret. Ah, on va encore glisser comme dans l'autre. Super, on va encore s'amuser à glisser. Oh. On sait jamais. Slide. Appuie sur W pendant que tu glisses. Ouais, 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 ouais. Vous ne m'aurez pas. Pas de soucis. J'appuie sur W. Mais là, il y a un coffre. Yay. Je l'ai bien fait. Il y a tout. Règle numéro 1. Faites bien attention aux coffres. Dans ce mode de jeu. S'ils sont pas très bien cachés. Mais des fois, si on va assez trop vite, on ne les voit pas. Et après, on l'a dans le cul. As-tu trouvé les 6 secrets dans la salle précédente? Bah j'en ai trouvé 3. Ça c'est un truc qui est sûr. Ah, niveau 7, la clé. On va devoir trouver la clé dans cette salle. Ok. Il y a sûrement un coffre dans cette tour. Soit dans cette tour ou soit... sérieux là? Niveau 4. Hop, au moins on aura activé 4 leviers. Je suis en train de me dire que la map va se terminer très rapidement en fait. Parce que s'il y a 5 leviers et qu'à la fin on a le truc secret et que j'ai déjà activé 4 leviers, ça veut dire qu'il reste déjà plus qu'un de levier. Mais j'ai pas fait énormément de level. Et la map se termine assez vite alors. Ah oh, mon dieu. Cette vérité qui blesse. Pas de coffre, étrange, j'aurais cru. J'aurais cru qu'il y aurait un coffre, mais apparemment non. Bon, il y a de la laine là, on peut pas... Je peux pas la cramer. Enfin si, je peux la cramer, mais je ne peux pas... oh, il y a de la clé là. Désolé, j'ai cassé de la bruche. J'ai cassé de l'eau d'herbe. Library, ok, donc la librairie. Donc la bibliothèque. Donc regardons la bibliothèque s'il n'y a rien d'intéressant. Ouais, 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 ouais. Et ils ont cru me prendre pour un con. Je l'aurais parié, caché comme ça derrière. Hein. Ça ne m'aurait pas vraiment étonné. Regardez-moi ça. Un levier. Comme c'est étrange, j'aurais jamais cru ça possible. Un levier comme ça, caché en plein milieu de nulle part.
C'est impossible. Ah mon dieu. Mais soyons fous quand même. Il faut être fou pour cacher des trucs comme ça. Où est-ce que ça mène ceci? Est-ce qu'à la fin on aurait droit à un petit parcours de minecart? Chouette. Ok, hop, hop. Donc on va devoir monter apparemment. Un des deux côtés. Hein. Que ça soit là ou l'autre, ça ne change rien. Hop, ici nous avons le stockage. Oh mon dieu. Il y a des coffres partout, ça va être marrant ça. Hop, hop, hop. Ouvrons tous les coffres, chers amis, pour trouver l'iron caché. Et un levier. Qui ne sert à... Une pomme. Qui ne sert à je ne sais pas quoi. Je ne pense pas qu'il sert à grand chose, mais c'est pas grave. Au moins, j'aurais regardé dans tous les leviers. Là-bas... Ah, ben ça a ouvert la porte, en fait, je crois. La salle du gérant. Ça... Ouh, derrière un, ça sent la couillonnerie. Non, même pas. C'est dégueulosse. Par contre, derrière là, un flint and steel. Tiens, donc, comme c'est bizarre. Je m'en doutais presque pas que j'allais avoir un flint and steel un jour. Je n'en doutais presque pas. Je sais pas pourquoi. Oh mon dieu. Le personnage qui se barre contre des choux. Oh mon dieu. C'est impossible. Ok, j'ai trouvé déjà le levier 5. Super, j'ai déjà soulevé les 5 leviers. J'ai déjà une clé. Et on va aller chercher la deuxième clé qui se trouve derrière cette laine, je suppose. Hein. Ça serait pas très compliqué cette fois-ci à réussir, je pense. Sachant que ça ne fait que 10 minutes que je tourne. Apparemment, elle va aller assez vite cette map. Tac, 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 tac. Voilà. En tout cas, si elle est déjà quasiment finie, je suis un peu déçu. Je préfère qu'elle soit aussi longue que l'autre. L'autre était un peu plus longue. Courte, mais longue. Niveau 8. Rage. Je comprends pourquoi ils ont appelé ça rage. Ah oui, je comprends très bien. Ah. Je regarde s'il n'y a pas quelque chose qui s'active au bout d'un moment. Non, il n'y a rien. Mais comment c'est possible? Attendez, il y a de la laine au sol. Ceci fait appel à mon imagination. Il y a de la laine au sol. On a dit comme ça qu'on pouvait brûler. Donc il y a quelque chose sûrement de caché là en dessous. Apparemment non. D'accord. J'aurais cru, désolé. Désolé, j'écrame un petit peu la map. C'est pas ma faute. Comment voulez-vous que je saute tout ça? YOLO raté. Be the YOLO with you. Mon dieu, ce que je viens de dire en anglais ne voulait rien dire. Faites que le YOLO saute avec moi. Ça ne marchera pas, ça va être des sauts, je sens que je vais rager. Ils ont bien pensé à mettre le nom Rage pour cet endroit-ci. Et je pense que je comprends pourquoi. Je sais pas, j'aurais cru qu'il y aurait quelque chose caché derrière. À moins qu'il y ait quelque chose caché derrière ça. Oups. J'ai appuyé sur la mauvaise touche, on va le replacer. Voilà. Oh, puis je suis tombé sur le même. Ni vu, ni connu. Pas vu, pas pris. Ah ah. Vous n'avez rien vu, vous avez fermé vos yeux. Je vous hypnotise. Bon, bah maintenant je suis dans la merde. Ok, on voit les systèmes de redstone, c'est magnifique. Je vais mettre en game mode. Merde, j'ai pas la permission. Donc, hop. Je vais juste rebloquer ça. Voilà. Tac. Désolé. Même si c'était de la laine rouge, c'est pour éviter que je recommence à la brûler. Hop. Mon game mode a été update. Voilà. Hop. Hop. Oh, j'ai réussi. Ok. Ok, ok, ok. Ok, on se calme. Non. 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 Ça, c'est dégueu. C'est dégueulasse. Ah, j'ai réussi de nouveau. Ok. 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 Yes, yes, yes. Level no, niveau 9. Étrange. Effectivement.
C'est très étrange d'ailleurs, mon PC en RAM. Ah! Je me meurs! D'accord, en gros il fallait juste que... jette ton flint and steel ici. Pas de soucis. Jette ta pressure plate. Je l'ai pas, mais par contre je vais jeter ça. Voilà, comme quoi. Ah, quel endroit bien calme. Attends. Un volcan. Attention! La lave! Ça va exploser. La seule façon de sortir d'ici, c'est à travers le volcan. Oh mon dieu! Run! Putain, cours! Cours! C'est pas sans souci! Oh mon dieu! Sois sûr d'aller vite! Non! Ok, je suis tombé. Je suis tombé. Hop. Niveau 10, rage, partie 2. Non mais t'es sérieux là? Par contre, j'ai pas vu énormément de trucs comme ça. Je sais pas si c'est normal. Hop, toutes les apples, venez à moi. Ah, d'accord. Ici, ça vient un truc d'eau. Pourquoi les cactus, je les sens très mal. Je sens qu'il va falloir sauter sur un cactus, non? Apparemment, il n'y a pas trop l'air, non? Ok. Pour le moment, le jump, ça a l'air d'aller. Ils sont pas trop trop compliqués. Sauf quand mon PC commence à se taper des petits coups de lag. Ce qui n'est vraiment pas bien pour moi. Surtout sur des endroits où on doit faire des jumps. Parce que ça risque de me faire extrêmement rager. Voilà, comme là, à chaque fois j'ai le coup de lag. Je ne sais pas pourquoi, mais mon PC se tape des barres de lag. Pas des barres de rire cette fois-ci. Hop. Remontons ici, voilà. Non, tu ne lagues pas, ok. Tu fais pas chier. Tu ne tapes pas un coup de lag. Pourquoi d'ailleurs tu me tapes des coups de lag d'un coup comme ça? À chaque fois que j'arrive ici, j'attrape des lags. Je ne sais pas pourquoi. Mais mon PC a décidé de ramer quand il arrive ici. Ok, pour le moment, ça va. Bon. Fais pas un coup de pute. Ok, c'est cool. Il m'a pas fait de coup de pute. Par contre, on a beaucoup moins d'or que de la dernière fois. Niveau 11, 4 éléments. Eh bien, chers amis, écoutez, comme c'est une map courte, je vais voir ce que je vais faire en deux épisodes. Et je vais m'arrêter là. J'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et bien sûr, à plus tard. Allez, à plus !